Le nouveau chevalier quitte son hôte. Il lui tarde de retrouver sa mère, si Dieu lui donne de la revoir vivante et en bonne santé. Il chevauche par la forêt solitaire qu'il aime mieux que terre pleine. Chevauche tant qu'il aperçoit un château fort bien situé. Dehors des murs, il n'y avait que la mer et une terre désolée. Il se hâte d'arriver au château. Il arrive devant la porte. Il trouve un pont qu'il faut passer, mais si faible est ce pont que c'en est un danger. Cependant, le jeune chevalier s'engage et passe sans dommage. Il se trouve devant une porte fermée. Il y frappe du gantelet et il huche à bonne voix. Tant il frappe qu'il aperçoit à la fenêtre d'une salle une pucelle maigre et pâle. Elle se penche. Qui est-ce là qui appelle ? Bel ami, c'est un chevalier qui vous prie de le laisser entrer et de le loger cette nuit. Sire, vous entrerez, mais nous en saurez peu de gré. Nous ferons pourtant pour le mieux. La pucelle disparaît, et si longtemps se fait attendre que le jeune chevalier appelle de nouveau. Alors arrivent quatre sergents tenant chacun et bonne hache et bonne épée. Ils ouvrent la porte et ils disent « Sire, venez avant !» Les quatre sergents auraient eu belle allure s'ils n'avaient été accablés de jeûne, de veille et de misère. Mais c'était pitié de les voir. Si au dehors, la terre était nue et désolée, au dedans, le jeune chevalier trouva bien peu. Partout où il allait, rue déserte, maison en ruine, on ne voyait homme ni femme. Il y avait deux abbayes, l'une de nonains éperdus, l'autre de moines désemparés. Point de parement, point de tenture, demeure lézardée, murs fendus et tours décoiffées, porte ouverte, nuit comme jour. Dans cette cité quasi morte, moulin ne moue, ni four ne cuit. En nul endroit on ne trouve pain ni gâteau, ni rien à vendre, même pas pour un denier. Point à chercher vin ni cervoise. Les quatre sergents l'ont mené vers un palais couvert d'ardoises. L'ont descendu et désarmé. Sitôt par les degrés, accourt un domestique lui apportant un manteau gris dont il lui couvre les épaules. Un autre étable son cheval, mais là ni blé, ni foin, ni avoine, bien peu de paille s'il en reste. La maison ne peut offrir rien d'autre. Des valets guident le jeune homme par un escalier jusqu'en une grande et belle salle où s'avancent à sa rencontre deux hommes et une demoiselle. Les deux hommes vieillards chenus, mais pas encore chenus tout blancs, on les eût dit dans la force de l'âge et en verdeur du sang s'ils n'avaient été accablés par le souci. La demoiselle qui s'approchait était plus gracieuse, vive, élégante qu'épervier ou papeguet. Son manteau et son bliot était de pourpre sombre, étoilé de vert, garni d'hermine, garniture non point pelée, croyez-le bien, avec un beau collet de martre zibeline noire et blanche. Si j'ai déjà décrit la beauté que Dieu peut mettre en un corps ou en un visage de femme, je veux le faire une autre fois sans mentir d'une seule parole. On eût cru ses cheveux d'or fin, qui flottaient sur ses épaules tant ils étaient blonds et luisants. Son front était haut, blanc et lisse, comme taillé de main d'homme dans le marbre ou l'ivoire ou un bois précieux. L'argentreuil, sourcils brunets, les yeux verts, bien fendus et riants. Elle avait le nez droit. Le blanc sur le vermeil éclairait son visage mieux que sinople sur argent. Pour en ravir le cœur des gens, Dieu avait fait d'elle la passe-merveille. Jamais Dieu n'en avait fait elle. Plus jamais n'en devait créer. Sitôt le chevalier la voit, il la salue et elle lui, puis il salua les deux seigneurs. La demoiselle le prend par la main gentiment et dit « Beau sire, votre hôtel ne sera point aujourd'hui ce qu'il conviendrait pour un prud'homme. Si maintenant je vous disais à quoi nous en sommes réduits, vous pourriez croire que c'est malice et me soupçonner d'avarice désirant vous voir partir. » Mais venez, je vous en prie. Prenez notre hospitalité comme nous pouvons vous l'offrir,
et que Dieu vous donne un meilleur lendemain. » La demoiselle le mène dans une salle qui est fort belle et large et longue, et dont le plafond est sculpté. Et ils se sont tous deux assis au-dessus d'un lit à courte pointe de soie. Autour d'eux se tiennent de petits groupes de chevaliers silencieux, les yeux fixés sur celui-là qui, près de leur dame, ne dit mot. S'il ne dit rien, c'est que sans faute, il se souvient du conseil que lui donna le prud'homme. « Grand Dieu !» se demande-t-il. « Serait-il donc vraiment muet ?»« Ce serait grand pitié, car jamais ne naquit de femme un chevalier si bien fait. »« Qu'il a bon air auprès de notre maîtresse ? Comme elle est belle à son côté !»« Si seulement il voulait bien cesser de se taire ainsi !» En vérité, ils sont si beaux que Dieu les a faits l'un pour l'autre, dirait-on, tant ils se conviennent. Ainsi les chevaliers devisent-ils entre eux, cependant que dessus le lit, la demoiselle attend le moindre signe du garçon. Mais il était clair maintenant qu'il ne prononcerait un mot si elle ne l'y encourageait. Alors, elle lui demande « Sire, d'où venez-vous donc aujourd'hui ?»« Demoiselle, j'ai passé la nuit chez le seigneur très généreux d'un fort château où il y a 5 grosses tours de bel ouvrage, une grande et 4 petites. Je ne sais le nom du château, mais je connais le nom de son maître, qui est Gornement de Goreau. » Ah, belle amie, comme je suis heureuse d'entendre vos courtoises paroles. Il est prud'homme, rien n'est plus vrai. Que Dieu, roi du ciel, vous en sache gré. Qui donc serait prud'homme si celui-là ne l'était pas ? Sachez que je suis sa nièce, quoique je ne l'ai vue depuis longtemps. Depuis que vous avez quitté votre maison, vous n'avez certes jamais rencontré un meilleur chevalier. Il vous a accueilli en joie et allégresse, comme il en a coutume, lui qui est noble, riche et puissant. Chez nous, les miches sont rares. N'en est que 6 qu'un de mes oncles, qui est prieur d'un monastère, m'envoya pour souper ce soir. Et un barillet de vin cuit. Nous n'aurions rien de plus si l'un de nos valets n'avait d'une flèche aujourd'hui tué un chevreuil. » La demoiselle alors commande qu'on apporte la table et tous s'assoient pour souper. Petitement on mange, mais de bon appétit. Ceux qui doivent veiller cette nuit, ce sont là 50 hommes d'armes, sergents et chevaliers, vont rejoindre leur guette. Ceux qui veillèrent la nuit passée et dormiront cette nuit sont nombreux autour du visiteur. On soigne celui-ci au mieux. Il a drap blanc, riche couverture et 12 oreillers pour sa tête. On lui apprête tout ce qu'il faut pour une nuit de délices, sauf le plaisir que donne une pucelle ou une dame s'il en avait droit. Mais il ignore ses passe-temps. Il n'y pense ni peu ni beaucoup. Sans souci, bientôt, il s'endort. Seul, enfermé dans sa chambre, son hôtesse ne peut dormir. Que le garçon repose à l'aise. Elle, faible femme, songe, livrée au combat qui se fait en elle. Elle en sursaute et tourne et vire et se démène. Soudain, elle jette sur sa chemise un mantelet de soie écarlate, court hardiment à l'aventure. L'enjeu est d'importance. Ce qu'elle a décidé, c'est d'aller vers son hôte et lui confier tout son chagrin. Elle quitte son lit, sort de sa chambre, se trouve saisie d'une telle peur qu'elle en pleure d'angoisse, entrant dans l'autre chambre où le chevalier sommeille paisiblement. Elle est en larmes auprès du lit où repose le chevalier. Tant elle sanglote et soupire, penchée sur lui, agenouillée au bord du lit, sans rien oser de plus, qu'il s'en éveille, surpris de se sentir visage tout mouillé. Il aperçoit la demoiselle agenouillée au bord du lit. Elle le tient par le cou, étroitement embrassé. Par courtoisie, il l'embrasse de même et, la tenant si près de lui, il lui dit « Belle, que vous plaît-il ? Pourquoi êtes-vous venue ici ? » ?»« Pitié, sire chevalier, pour Dieu et pour son fils, je vous supplie de ne me sentir plus vile parce que je suis venue si peu vêtue comme vous voyez. Je n'y ai pensé en folie un instant. Je ne puis plus endurer que nul jour ne passe sans souffrance. Telle est ma vie. Mais autre nuit je ne verrai ni autre jour que celui qui vient, car je vais me tuer.
des 310 chevaliers qui gardaient ce château. Il ne m'en reste que 50. Les autres ont été emmenés par Enguingueron, le sénéchal de Clamadeux des îles, perfide chevalier qui les oxyra ou jettera en prison. Le sort des uns vaut celui des autres, car tous sont promis à la mort. Tout un hiver, tout un été, nous avons été assiégés par Enguingueron, qui jamais ne s'éloigna d'un pas. Et ses forces sont augmentées de jour en jour, tandis que les nôtres sont devenus de plus en plus pauvres. Nos vivres se sont épuisés. Il n'en reste plus pour le déjeuner d'une abeille. Si Dieu ne s'y oppose, demain nous nous rendrons sans condition, car nous ne pouvons plus nous défendre. Telle est la loi qu'il nous faut accepter. Moi, infortuné, je serai livré à Clamadeux comme captive. Mais ils ne m'auront pas vivante. Je me tuerai. Au vainqueur, je ne laisserai que mon cadavre. Que m'importe ce qui adviendra. Clamadeux, qui me veut, ne m'aura que sans âme et sans vie. J'ai gardé sur moi dans un écrin un couteau à fine lame. Je saurai m'en servir. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je regagne ma chambre et vous laisse reposer. Le jeune chevalier saura bientôt, s'il veut, faire preuve de sa vaillance. La demoiselle, son hôtesse, n'est pas venue à lui dans un autre dessein que de lever en son cœur le désir de batailler pour l'aider à se défendre et défendre sa terre. Il lui dit « Belle amie chère, ce n'est point le moment de montrer triste visage. Prenez courage, séchez vos larmes et venez ici au plus près. Je vous en prie, ne pleurez plus. Dieu, s'il lui plaît, vous fera un demain meilleur que vous ne le pensiez tout à l'heure. Venez vous mettre dans ce lit qui est assez large pour deux. Il ne se peut que vous me quittiez en cet état. » Elle répond « Je viendrai, s'il vous plaît. » Le jeune chevalier l'embrasse, la tenant bien serrée contre lui. Il la mise gentiment sous la couverture. La demoiselle accepte ses baisers sans qu'il lui en coûte beaucoup. Ainsi furent-ils toute la nuit, l'un après l'autre, et bouche à bouche jusqu'à l'approche du matin. Dans cette nuit, l'hôtesse a trouvé consolation. Bouche à bouche et bras à bras, ils ont reposé jusqu'à l'aube.